Bon, on va aller vers la lumière. Parce qu'apparemment, madame. Apparemment, madame aime la lumière. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En réalité il est 20h41, nous sommes en live et ce que vous regardez est une rediffusion. Tout le monde vous dit coucou YouTube dans le chat et ça fait plaisir. Peut-être que vous faites partie vous-même de la rediffusion du live, ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte du jeu Amnesia Rebirth. On lance enfin notre première et nouvelle partie. Ah oui. On ne joue pas à ce jeu pour gagner. Alors attention, il y a des petits coups de pression. Immergez-vous dans son univers et son histoire. La peur et l'obscurité sont vos ennemis. When you realize what the pain has made of you. In hiding. Curled in on yourself. Unable to show the world your face, acting on instinct. Lashing out. Even at those closest to you, it has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. Every day. You do what you must to survive. What was that? Oh non, comme dans The Forest, on est dans un avion. Oh non, pas encore. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Mais oui, on va pas se crasher. Oh, c'est cliché ça quand même. Your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? I didn't want him to be lonely. I know my heart. C'est vraiment le début de The Forest là. Timmy. Mayday, mayday, mayday. Oh wow! Mais c'était sûr en fait! Mais c'était sûr! Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Mais fils de... Come on. Need to find him. He must understand. Don't forget. It's her. It's all because of her. Focus. I am Tessie. I am still Tessie. What? Where? Ok, il faut que je lutte. Il faut que je lutte là, il faut que je fasse des trucs. D'accord. En fait, il y a un truc qui me contrôle quoi, c'est ça. Mais regardez, c'est le même début que The Forest. C'est le même début que The Forest. Allez, on se met à fond dans le jeu là. Landanum. Du Landanum, ça va aider. Mais faut rester calme, sinon ça empirera. D'accord. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassie? Oh mais ça va être philosophique en fait cette soirée les gars, ça va même pas faire peur. Ça va être philosophique les frérots. On va ressortir plus fort de cette soirée les gars, restez bien jusqu'à la fin du live. Allez, assieds-toi, faut que je te parle. Calme-toi. Bah, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un crash d'avion quoi. On en sortirait plus fort. Ah, mais... Allez, on prend ça. Alors, afficher le texte.
Il faut que je me souvienne, elle mourra, trouve Salim. D'accord ? Je comprends rien. Mon livre, mon écriture. Oh. What ? Ok, donc là les gars... Ah mais c'est une nappe qui bouge depuis tout à l'heure, enfin c'est un rideau. D'accord, alors... Ah ! Mayday, Mayday ! Ah ! I'm here ! I'm here ! Yeah, yeah ! Please ! Eh ben on va aller se faire foutre et on va se laisser mourir de faim ici, voilà. Ah mais non, regarde, on peut... Oh, si on appuie sur T. Oh. Oh, d'accord. Je suis énervé. Je suis énervé. Hop. D'accord. Bon, manifestement, ça sert à rien. Et ben voilà, on a un inventaire. Hop, tu prends ça. Tac, le petit tutoriel. Hop, et c'est réglé. Oh, c'est magnifique. Ah ben on pouvait pas mieux se planter, hein. Oh, hell yeah. Oh, c'est magnifique. Où ça? Mais où ça? Oh, putain, les gars, je viens de comprendre le titre du jeu. Je suis vraiment trop con. Wait, thank you. But we've no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Salim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Ah, je m'inquiète pas. D'accord. En fait, on est amnésique en fait. Ah, il faut rester à l'ombre. Oh, c'est trop bien fait. Ah, il fait chaud là, hein. On sent la chaleur, hein. Can anyone hear me? Oh là! Oh, there is a cave. Allez, le retour des indigènes! Oh, thank God. Non, mais sérieusement, c'est tout le temps la même histoire qui se répète, quoi! Voilà! But it's good, isn't it? People have been here. Sal! We'll be shot with salt. Instead of dying first, I agree. Leon. What? No point getting your hopes up. We're in this shit. Bon, pour le moment, on sait pas de quoi il parle. Donc les souvenirs reviennent peu à peu, visiblement. Hein. Bon, il va falloir boire de l'ayahuasca pour se souvenir. Ça va être ça, en fait. Hop, moi, je sors tout. Hein. Et après, je reprends ça. Et je referme. Ni vu, ni connu. C'était pas moi. Rachel Holt. Holt. Chargé des ressources humaines. Papier. Au départ de l'aéroport au Croyon. Une bouffée d'air frais. Je dois remercier Si... de l'avoir recommandé. On sait pas c'est qui, Si. Elle fait son boulot bien mieux que je ne pourrais le faire. Il va lui falloir un peu de temps pour se familiariser avec le paysage local, mais enfin bon, c'est un début très prometteur. Espérons qu'elle pourra devenir un élément permanent pour de futurs voyages. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite à cette fameuse personne. Ah si, c'est Charlie, ok. J'ai un petit peu de sang de QI, donc forcément. C'est des chercheurs, ils visitent des grottes et tout, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Toutes les notes, on peut y accéder en appuyant sur N, mais c'est fantastique. Vas-y, on va rentrer dans la grotte parce qu'on est un peu con. Donc comme on est con, eh ben on va rentrer dans la grotte. Oh Tazi, look at the hands. Such tiny perfect fingers. Hello. Hello my little one. Ah, c'est trop mignon. Ah! Marion, tu veux pas venir? Bon, ah, ah bah oui, c'est de la combien. Bon bah let's go hein. It's all right. I can manage. Come on, not far now. Hello, is anyone there? It's me. Salim. Quand est-ce que tu vas comprendre que Salim il n'est pas là? Hold him more tightly, or the stitching will tear. I'm sorry. I will be still. Salim, I have you. I have you. Attends. Il y a des ciseaux. D'accord. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'ils font ici? C'est un peu bizarre là ce que vous faites là, Salim et tout. Alors, James Henry Mitchell, meneur de l'expédition. Ah bah voilà, donc il y a des expéditions, etc. Il y a des ingénieurs, des dessinatrices, des géologistes. On a Dragon Alpha.
En fait, on est tout simplement parti en expédition et on a eu un crash d'avion, tout simplement, voilà, et je pense que ça va juste littéralement partir en couille. Aïe, aïe, aïe. Ah non, je me permettais de dire que ça faisait pas peur, mais en fait... Mais en fait, ça me fait peur. Oh non. C'est pas Salim. Allô? La vérité, si tu te lèves, mais je te défonce. Salim, je suis désolé. Sans Lucas, je ne peux pas le supporter. À vous autres, ce n'est pas la faute de Salim, mais j'ai toute ma tête. C'est Eva qui est par terre et qui a mis fin à ses jours parce qu'elle ne peut plus supporter quelque chose puisqu'il n'y a pas Lucas. Globalement, d'accord? Alors, une pelle. On va peut-être pas déterrer non plus le... Non! J'ai soufflé la bougie. Je suis un imbécile. Lucas. Lucas, I think. Ah putain, d'accord. Donc Lucas, il est enterré là-dedans et elle, elle a mis fin à ses jours parce que c'était sa copine. Bonjour la tasse. Moi, je valdingue tout. Hein. Moi, je suis un peu énervé. Je veux dire, ça pue la mort ici. Ah, Salim. D'accord, on s'est crashé. Ah! Il y a une créature. Ah oui. J'aime pas non plus trop l'idée de la créature. Mais du coup, au moins, on comprend quelque chose. Voilà. Et je pense qu'on est en train de revivre un petit peu... Bah, en fait, on est sur les traces. On est sur les traces des gens qui étaient à la trace. Des traces de la trace. Ouais, bref, on cherche tous les secours et on veut sortir de là, globalement, parce que bon... Mais j'avoue, pourquoi tu m'as pas attendu? Ouais, je te le promets, ouais. Ah ouais, on casse. Venez, on casse tout. Hop. Ah, c'est trop bien. T'as écrit quoi? Secret Story. Non, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Et là, c'est quoi? Oh, regardez, Jeezy. Oh, c'était la belle époque, ça. Hein. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de te donner cette photo. Elle vous représente tellement bien tous les deux. Richard et Alex, en 36. Ah, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'était la bonne époque. Ah, putain, regardez les beaufs. Salim. Mais putain, ferme ta gueule. Y a pas de Salim, tu vois bien. C'est pas du tout un indice. Ah. Ah bah donc ça veut dire que Salim est passé par là. Bonne nouvelle. Salim! Non, c'est pas la meilleure idée. Tu sais quoi, on fait demi-tour? Eh hey. Les gars, j'ai eu les frissons dans ma tête. Restez dans l'obscurité. Sans source de lumière augmentera votre peur. Ah! Bah oui, mais y a pas de lumière, trou du cul. Bah allume. Voilà. Ah bah oui, là c'est beaucoup plus rassurant. Parce que là, du coup, n'importe qui peut te voir. Trou du cul. Bon, on va aller vers la lumière. Parce qu'apparemment, madame... Apparemment, madame aime la lumière. Oh, une note de Salim. Pas du tout. Lucas Ritter. Zweiter Fusil. Papier. Allemand. Un visa sera nécessaire. Au départ de Hambourg, Lucas, deuxième fusil, Marie Tefa, engagé par la triple couronne, allemand. C'est tout ce que je sais, ça ne me plaît pas. Un homme armé que je ne connais pas, dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Triple Crown Mining, c'est la triple division de mina... Mais c'est une mafia en fait. Oh mais regardez, c'est comme sur The Forest, mais là on va se casser la gueule. Bah allez, hein, let's go. Même pas peur. Careful. Eh, vous croyez si je saute dans le vide, il se passe quoi? Allez, vite, on va à la lumière. Oh putain. Salut les boobs. Vite, il faut que je lutte. Il faut que je... Ah! Il faut que je lutte contre un démon qui m'habite. Oui. Je sais pas, mais t'as pas l'air très catholique, hein, ce qui t'arrive, hein, si je puis me permettre. En tout cas, les visions dérangeantes et l'obscurité augmenteront votre peur. Ne la laissez pas monter trop. Bah ouais, mais gros.
What? What the hell? Ah ouais, mec. Ah bah, j'ai plus rien. Ah bah, c'est dans ta tête. Nickel, bah tout va bien. What? Gros, tu t'es cru sur Code Lyoko ou quoi? Ça a l'air vivant. T'as cru que c'était une espèce vivante, ça, ou quoi? Sorti ou rangé à l'allumette. À l'amulette, pardon, putain, mais je suis complètement con. Mais les gars, mais c'est comme The Forest! Code Lyoko! Tout recommencer! Code! Code Lyoko, hein? Monde sans danger. D'accord. Mais c'est trop bien! How could I leave him? I know it makes sense everything he said, but it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. And I know you. I know what you're capable of. He'll make it. And you'll get back to him even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. Mais c'est qui Hank? Et quand est-ce qu'on lui a parlé? Est-ce que c'est des souvenirs du passé? Ou est-ce que c'est genre dans ma tête que ça se passe? C'est super intéressant, j'aimerais bien savoir. Parce que ça changerait beaucoup à l'histoire. Bah franchement, les gars, ça se passe bien. En vrai, le jeu, il fait... Et franchement, entre nous, ça fait beaucoup moins peur que des maps, même sur Minecraft. En plus, c'est trop mignon. Oh, Salim! Hello? Hello? Anyone? Salim! Alors, soit on va à droite, soit on va à gauche. Et je propose qu'on aille à gauche. C'est trop bien! Ah, mais je peux pas y aller. Oh, le piège! Oh, mais qu'est-ce que je suis blonde! Oh là là! C'est vrai ça, on sait pas si on est blonde. Hein. C'est particulier quand même la décoration chez vous, hein. Oh là! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Là, on n'est pas au désert du Sahara. Hein. Non, mais là, on est dans Code Lyoko, les gars. Hein. C'est Code Lyoko. Hein. Je voudrais aller à la salle de bain, brosser les dents, mais j'ai peur de sortir de ma chambre. Rien ne progresse. Le temps ne change rien. La lumière ne se déplace pas dans le ciel. Elle ne s'intensifie pas. Et elle n'affaiblit pas non plus. Et pourtant, le temps passe. J'ai la bouche sèche et je suis tiraillé par la faim. Dans ses notes, Veyer prédisait l'instabilité du cours du temps. Au niveau des jonctions entre les mondes, mais what? Là où un simple pas permet de voyager à travers les années sans que le corps ne soit affecté, ou potentiellement, où le corps subirait des changements mais le temps serait figé pour le monde alentour. Est-ce là ce qui s'est passé? Est-ce que ce monde tout entier est figé à un moment suivant sa destruction? Comment pourrais-je le savoir? Et qu'est-ce qui changerait si je le savais? J'ai abandonné l'idée de trouver le portail. Je pense que je pourrais me servir des prédictions de Veyer concernant la fragilité de la séparation entre les mondes. Si seulement je trouvais un moyen d'en établir la carte d'une manière ou d'une autre. Eh ben, c'est le Nether. C'est ça. Bon bah tout va bien en fait, c'est juste un voyage temporel quoi. Je veux dire, c'est un peu retour vers le futur, mais version ça fait peur quoi. Ah, je dois aller là. Oh! Putain, mais crie pas comme ça, espèce de... Ceux qui vivaient ici étaient humains ou quelque chose de similaire. C'était peut-être bien Zerzura finalement. Ah, on connaît bien Zerzura. Je sais pas ce que c'est. Ou un autre bastion de l'humanité. Oui, c'est le Nether. Je ne sais pas quelle était la nature de cet endroit, mais il a été réduit à néant. Le Nether. Il devait s'agir de ceux qui ont construit la grande porte des étoiles. Mais quelle horreur a bien pu causer une telle destruction? Même l'ombre est probablement incapable de détruire un monde tout entier. L'ombre avec une majuscule le haut, hein, donc... Je ne vois aucun signe d'un portail, même si j'en trouvais un, l'ombre m'a fait perdre mon globe et je n'en ai pas d'autre. Il y a quelque chose d'autre ici, quelque chose qui rôde dans la brume. Lorsqu'elle chasse, j'aperçois des lumières vives et j'entends ses cris. Je ne pense pas qu'elle soit vivante. Bah du coup elle peut pas crier si elle est pas vivante, en fait. Il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a nulle part où aller. J'ai cherché un portail, il n'y en a pas. J'ai triangulé les points les plus faibles grâce au calcul de Lévi, mais je ne peux pas créer de faille, car je n'ai pas d'amulette du voyageur. Moi je l'ai l'amulette.
Je n'ai pas tenu compte de l'avertissement de Brennenburg. Mais quel choix avais-je donc? L'ombre a senti le globe. J'ai dû tenter le tout pour le tout et traverser le portail. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a aucun autre moyen de subsistance. Je ne vivrai pas longtemps. Si vous, lecteur, voyageur, peu importe le monde d'où vous venez, si vous comprenez, si vous en savez assez pour parler à ceux qui habitent la terre des hommes, dites-leur ceci. J'étais le premier à résoudre les mystères des constructeurs de portes. J'étais le premier humain à déjouer les frontières entre les mondes. Moi, le professeur Thurston Aloysius Herbert de Cranbridge, en Angleterre, a été le premier. Que Dieu me pardonne. Donc dans toutes ces histoires, monsieur veut quand même apparaître dans les livres. Il veut quand même... Eh, frère, c'est moi qui écris la merde. c'est un génie, lui. Hop, un crayon, je le prends, je balance. Hop, bah il est mort, il est là. Alors, salut, monsieur Herbert. Hey. Putain. Hop, hop, va te faire foutre. Oh, tu m'as fait trop peur avec ton hey. Oh. Vous le voyez? Oh non. Ah. D'accord. C'est pas ça les méchants. En fait. Oh. Les gars, j'ai mal au ventre. Oh là là. Oh là là. Allez, sors ça. Et on se casse. On se casse. Allez, on s'arrache. Ah oui, il n'y a plus aucune logique de gravité. Hein. What? Ah. Oh, c'est mignon. Alice Wonderland. Ah, c'est les aventures d'Alice au pays des merveilles. Ah, bah forcément. Forcément, ça crée des liens. Oh, on est à Paris, regardez, c'est la tour Eiffel. Le mariage, le mariage, le mariage. Le mariage. I will put the damn ring on. And you will wear mine. Boum! C'est trop mignon! Eh, venez, on quitte pas cette pièce et on arrête la série. Enfin, c'est pas une série, mais on arrête le live. Oh, Salim! Salim? Salim! Salim? I'm here. Salim à les couilles! Non. Oh non! Eh, Green L! Green L! Non, mon enfant! Bébé! Alice? Au pays des merveilles, Alice! Non, mais attendez! Non. Alice! Alice! Bah ouais, bah elle est passée où, Alice? C'est de la malice? Woy! Woy! Oh, what the fuck? Je vous ai dit qu'à la fin du jeu, on va en ressortir plus fort. Oh putain, y a pas de screamer. Vous avez dit, y avait pas de screamer, vous avez dit. Vas-y, répétez ça une dernière fois. Oh putain, ça, je me suis chié dessus. Oh, aïe. Au secours. Oh non, il y avait encore un screamer. Je reconnais ça. Oi! Ah bah oui, bien sûr qu'on se sent pas bien, y'a tout qui s'écroule sur notre gueule. Ouais, il ressemble plus à rien. Alice. Alice, we have a sister. I'm pregnant. Oh! Trop fort! Putain! Je me souviens. Shit. Shit, I remember. I'm pregnant. Oh, Salim. Oh là là, Salim a les couilles. In Paris.
Et je cours. Salim ? Non. Non, non, non. Mais oh, non, non. Non, non, non. Salim. No, please, my love. I'm here now, please stay. Stay for me, please. My heart. You're my heart. What do I do? What do I do now? We're supposed to find you. Ah ouais. J'étais perdu Tessie, ce n'est que pour un moment. Je sais que tu t'échapperas, tu portes en toi quelque chose de très précieux. Vie pour nous, Tessie, pour l'enfant. Et l'autre enfant du coup. Ouais putain c'est génial. Ouah sa mère. Ouais, aren't we together? Depuis quand j'ai une lampe à huile? Depuis quand j'ai une lampe à huile les gars? Allez vite, faut sortir, cours. Cours, t'es enceinte gros, t'as. Allez, cours. Et bah voilà. Moi et l'enfant, on est mort. C'est réglé, c'est carré. Why did you have to go? No. 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 Don't be so fucking selfish. It's not just about you anymore. Exactement, il y a l'enfant dans ton bide. Voilà. What? Hello? Is someone there? Oh non, c'est l'esprit de Salim. Oh! C'est la fin du jeu. Pas du tout. Pas du tout. I think that's her word for him. Trop mignon, c'était la scène la plus courte du monde de génial. Trop mignon. Alors vous voyez pas, mais je débloque depuis tout à l'heure des succès Steam. Et là je viens de déverrouiller le succès Veuve. C'est vraiment pas le truc le plus kiffant comme succès quand même, si je puis me permettre. Mais enfin bon, après c'est... Ah ouais... Au moins Salim il est mort dans un endroit magnifique. On peut regarder l'état du bébé. Alors c'est bloqué, faudra qu'on passe de l'autre côté j'imagine. Alors c'est qui un peu le professionnel là? Eh ben voilà. Voilà. Hop. Et là, on peut ouvrir la porte. Oui. Malik, Leon, let's take a look ahead. Rest of you, hold tight here. Won't be long. Tazi, what's the sign say? My French is piss poor. just that they were a long way from home. Ouais, ils étaient loin de leur maison, ouais. À la fin du monde, quoi. Pourquoi ça fait peur? Oh! Oui, oui! Don't stop talking, Doctor. Got to get to that radio. Oui, il faut que je... Allô? Mais c'est pas logique, à quel moment il y aurait le docteur qui parlerait là? Oui, j'arrive! J'arrive, Mercier! Putain! Ah, on peut passer là. Oh non! Excusez-moi, j'ai paniqué. Oh, ça me prend la tête. J'aime vraiment pas. J'ai envie d'arrêter. Pour le coup, j'ai envie d'arrêter. Parce que déjà, je vais pas dormir tout de suite. Y'a même pas la solution sur internet, c'est vrai? Bah, comme c'est un nouveau jeu en plus. Comme c'est un nouveau jeu, du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué, j'imagine, de trouver les solutions sur internet.